Tes amis et toi fabriquez des cartes pour placer des invités à un repas. Vous avez tous une bande de papier de la même longueur et vous commencez à en colorier des parties au crayon de couleur. Tu commences par du bleu, ton ami Michael commence par du vert, ton ami Joël par du rouge, ton ami Zoé par du jaune et ton ami Lisa par du violet. Une fois que vous avez fini avec cette première couleur, quels sont les amis qui ont colorié la même surface que toi? Ici, on a représenté les bandes de papier que tes amis et toi vous avez coloriées. La première, c'est la tienne ici, qui commence par du bleu. Ensuite, il y a celle de Michael, celle de Joël, celle de Zoé et celle de Lisa. Déjà, on va calculer la fraction qui correspond à ce que tu as colorié en bleu sur ta bande de papier. Pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par compter le nombre de portions égales qu'il y a au total sur ta bande de papier. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq et six. Ça veut dire que pour la fraction qu'on cherche, au dénominateur, on va écrire 6, parce qu'il y a 6 parties égales. Et maintenant, pour avoir la fraction qui représente ce que tu as colorié, il faut compter le nombre de parties sur les 6 que tu as coloriées en bleu. On va les compter ensemble. Il y en a une, deux, trois et quatre. Il y a 4 parties au total que tu as coloriées en bleu sur les 6. Donc 4 sixièmes, ça représente la surface que tu as coloriée sur ta bande de papier. Maintenant, on va regarder quelle est la surface que Michael a coloriée sur sa bande de papier. Et on va voir si c'est une fraction équivalente à 4 sixièmes. Si oui, ça veut dire qu'il a colorié la même surface que toi. Alors, pour Michael, combien est-ce qu'il y a de parties au total? Il y en a une, deux et trois. Donc, au dénominateur de la fraction qui représente la portion qu'il a coloriée, on va avoir 3, parce qu'il y a 3 parties au total. Et maintenant, on va compter le nombre de parties qu'il a coloriées. Il y en a une et deux. Donc au numérateur, je vais écrire 2 ici. Et pour savoir s'il a colorié la même surface que toi, ce qu'on se demande, c'est est-ce que 4 sixièmes et 2 tiers sont des fractions équivalentes? Donc on va réécrire ça ici en bas. 4 sixièmes, est-ce que c'est une fraction équivalente à 2 tiers? Comment est-ce que je peux faire pour passer de 6 à 3? Pour passer de 6 à 3, je peux diviser 6 par 2. Et si je divise 4 par 2, est-ce que j'obtiens 2 ici? On va essayer. 4 divisé par 2, ça fait combien? Eh bien oui, ça fait 2. Donc ça veut dire que 4 sixièmes et 2 tiers, ce sont bien des fractions équivalentes. Toi et Michael, vous avez colorié la même surface. Donc, Michael a effectivement colorié la même surface que toi. On va continuer en regardant ce qui se passe pour tes autres amis. Pour Joël, par exemple. Joël, on va calculer la fraction de la bande de papier qu'elle a coloriée. Au total, il y a combien de portions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, au dénominateur, on va avoir un 7 ici. Et sur ces 7 portions, combien est-ce qu'elle en a colorié en rouge? Elle en a colorié 1, 2, 3 et 4. Donc la fraction de la bande qu'elle a coloriée, c'est 4 septièmes. Est-ce que 4 septièmes, c'est une fraction équivalente à 4 sixièmes, la surface que toi tu as coloriée? Eh bien, tu vas me dire non, parce que ici on a bien le même numérateur, mais on n'a pas le même dénominateur. Donc ça ne peut pas être des fractions équivalentes, 4 sixièmes et 4 septièmes. Donc Joël n'a pas colorié la même surface que toi. On va regarder ce qui se passe pour Zoé maintenant. Combien est-ce qu'il y a de parties au total? Il y en a une, deux, trois, quatre et cinq. Donc au dénominateur, on va écrire un 5. Et pour trouver le numérateur, on va compter le nombre de parties coloriées en jaune. Il y en a une, deux et trois. Il y en a trois ici. Donc 3 cinquièmes de la bande a été coloriée par Zoé. Est-ce que 3 cinquièmes, c'est une fraction équivalente à 4 sixièmes, à ton avis? Est-ce qu'il y a une façon de passer de 4 à 3 qui serait la même que celle pour passer de 6 à 5? Eh bien oui, tu as raison, il n'y a pas de nombre par lequel on peut multiplier ou diviser cette fraction-là pour obtenir cette fraction-là. Donc Zoé n'a pas colorié la même surface que toi. On va regarder ce qu'il en est pour Lisa maintenant. Combien est-ce qu'il y a de parties au total? Il y en a une, on va les écrire, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc au dénominateur, ici, je vais avoir 14. Maintenant, combien de parties elle a colorié sur les 14 qu'il y a au total? 1, 2, 3, 4. Elle a colorié 4 parties sur les 14 qu'il y a ici au total. Cette fraction-là, si on la regarde, on peut se dire qu'elle est simplifiable. Pourquoi? Oui, parce que 4 et 14 sont tous les deux divisibles par 2, c'est bien ça. Donc on va diviser 4 par 2 et 14 par 2 aussi. Qu'est-ce que j'obtiens? 4 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 2. Et 14 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 7. J'obtiens 2 septièmes. Est-ce que 2 septièmes, c'est une fraction équivalente à 4 sixièmes, à ton avis? Eh bien non, il n'y a pas de façon de multiplier ou de diviser cette fraction-là pour obtenir 2 septièmes. Donc Lisa n'a pas colorié la même surface que toi. De tous tes amis, il y a juste toi et Michael qui avaient colorié la même surface.